qui d'accorder main levée du mandat des cours, vu que soutiennent-ils que leurs clients ont eu déjà, ont passé déjà 2 ans en prison, vu que l'heure est avancée, la Cour se réserve le droit de statuer sur la demande produite à la plus prochaine séance, tout en sans bâcler la procédure, tout en respectant la procédure tracée par le code d'instruction criminelle relative à l'audition des affaires en appel. De la Cour ordonne le maintien de ce qu'il veut. La Cour commence audition affaire selon les prescrits de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal. Et nous remarquons une volonté de la part de la Cour de respecter la procédure tracée par la loi. Cour a ordonné la lecture des actes d'appel, des déclarations d'appel, de l'ordonnance et de la citation. Tout ceci a été fait. Et avocat prévenu des produits en demande de main levée du mandat des cours pour 5 prévenus qui sont en détention et qui viennent là et qui n'ont pas sauvé dans la prison malgré qu'ils aient une chance de faire ça. Et qui ces 5 prévenus qui ont bénéficié d'une ordonnance de non-lieu par devant le premier juge. Nous autres parties civiles, nous faisons quoi remarquer que nous n'avons aucune objection à ce que cette main levée soit octroyée à ces prévenus qui ont bénéficié d'une ordonnance de non-lieu et que prison crasée, ils ont arrêté dans la prison hein, parce qu'ils ont fait confiance à la justice de leur pays. Quoi dit, vu leur avancée, les réserver le droit pour le prononcer sur demande ça, les renvoyer à faire pour mercredi prochain. Donc nous allons retourner mercredi prochain pour faire continuer. Attendez. Mais nous, notre 31 personnes ont été demandées pour te comparer devant le tribunal là. C'est seulement 5. Alors oui, c'est seulement 5 qui sont en prison qui comparaissent avec parti civil là, l'église épiscopale donc. De grand pile monde qui fait appel, mais qui s'est inculpé, qui est en cavale. Et le commissaire gouvernement fait quoi remarquer ça plusieurs fois. Donc la Cour prendra telle décision que le droit au moment opportun. Mais M. Samuel Matistin, nous avons une ordonnance jugement tel Jean-Claude là, l'innocenté l'église épiscopale. Oui. Et Père Mardocheville avec et l'autre monde, ils ont été employés de l'église épiscopale, ils ont innocenté. Et qui ça qui expliquait que ou même au constitué au parti civil? Ah ben parce que l'église là, victime de une grande campagne de dénigrement et les victimes de la méchanceté de certaines autorités policières qui pouvaient cacher véritable monde qui était propriétaire d'amis, ils ont fait un bon désordre, ils ont arrêté Péo, ils ont pris bien l'église là, jusqu'à ce que les machines Péo qui ont des CPJ ont roulé dans la rue, ils ont saisi matériel l'église là, matériel informatique, documents comptables. Donc, en pile désordre. Donc, l'Église, victime d'un grave préjudice par rapport à Baraïsa. Et comme a bon procès, quand même, moun qui a quimbé dans les liens de la détention yo, et qui prend le jugement, nous constituer nos parties civiles pour nous suivre le procès jusqu'au bout et pour nous demander réparation pour l'Église.